Nous sommes toujours le septième jour, et le septième jour de septembre 2017, il leur dit, bon, mon grand-père était le gardien du palais de justice de Meaux, genre ça va couper le fillon. À l'époque, il y avait encore les chevaux et tout. Bon, c'est quoi l'enculerie? Il y a une putain d'enculerie. Bon, du pouvoir maçonnique, sa mère. Bon. Mais je voulais dire un vrai truc là-dedans, dans l'histoire du grand-père, du quatrain. Stramus, Michel, bon, d'accord. Il faisait des quatrains. Moi, je faisais des quatrains. Tout le monde, il fait du quatrain. Surtout moi. Moi, ce que je me rappelle, et quand Tata raconte, je crois, la bataille des Ardennes ou quoi, avait 6 ans. Quoi. Tata est de 1938. Elle perd complètement la boule parce que, voilà, elle est cacheton. 30 ans de cacheton, c'est bon, ça tue, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Big Pharma, l'origine de Big Pharma, c'est de l'enculerie. En fait, les laboratoires Bayer, ils étaient à 100 mètres de Auschwitz. Tu sais. Ils vendaient les juifs 1 franc. Pour tester les médicaments. Mais il n'y a pas de médicabré. Il n'y a que des médicaments. Les médicabrés, c'est les plantes. C'est la nature. Mais vous avez tout niqué. Putain, vous continuez à tout niquer. Putain, pas possible. Les bouts rouges, quoi, à la Manuel Wall Street. Le jugement premier que je te dis, là, on est le jour. On est vraiment le jour. Ce qui se passe là-haut, bon, on ne sait pas trop. On est vraiment le jour. C'est là que ça part. Le cyclotron en marche. Et Jérémy se leva et actionna la manette du conjoncteur spatio-temporel et dit, c'est bon les gars, Jérémy le courant. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? Là, franchement, normalement, c'est là que ça part. Aujourd'hui, c'est comme c'est le 1er janvier 2017, c'est parce que c'est un point de restauration. Je suis un point de restauration. L'armée des douze singes ou quoi, ce que tu veux. Et en plus, je vous emmerde. Surtout les connards. Après, il y en a qui comprennent. J'engueule pas tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel que vous faites sur Terre ? Bon, les vendus, il faut leur péter la gueule. Les milliardaires à feu doux. Bon, thermostasis quand même. 666. The number of the beast. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Putain, si on en mettait une bonne branlée, pas besoin de Kalachnikov. Parce qu'en fait, tu ne tueras point. Alors, c'est pas eux qui tuent. Ils vendent des armes pour que c'est les autres qui tuent. Comme ça, ils se sentent bien. Alors, c'est pas moi qui a tué. Enfin, j'ai vendu les armes. Tu vois. Le 13e commandement, c'est tu ne vendras pas d'armes à ton prochain. Surtout si c'est des débiles, mais des Mongols. Enfin, pas des Mongols, mais presque. Comme ça, ils se tirent tous dessus. C'est pire que les Juifs, en fait. Ils ont cloué leur chef. En fait, ils ont massacré leur peuple pour être moins nombreux, être plus riches. Pour le pouvoir, par l'argent. Mais c'est pas ça. C'est pas comme ça. Je suis complètement pas d'accord.
On va laisser comme ça parce que Pace salute, Inchalamen Iraim, Mazeltov, du Catolman, protestodoxe, bouddhiste tibétain, brahmo cistercien. En fait, je vous pète tous le cul, vous êtes tous des connards. Matérialiste, capitaliste. Nostradamus, c'était là. Non, c'était le 21-12-2012, ça devait être la fin du monde capitaliste. Mais vous comprenez rien à ce que je vous dis. Sans, vous comprenez déjà rien à ce que je vous dis. C'est des paraboles. Et alors, je t'emmerde. C'est des paraboles, c'est tout. Moi, je pense au devenir de l'ensemble, au devenir de l'esprit de l'ensemble. Je pense à bientôt, il n'y aura plus d'eau potable avec vos tonneaux d'uranium de merde et les boues rouges à la Wall Street. Là. Non, ça va pas. Pas content, pas content, pas content et pas content. Enfin, moi, j'ai pas une thune. J'ai des thunes aujourd'hui, comme ça. J'ai des sous un jour par mois, moi. Après, j'attends 30 jours. Au mégot par terre. Tu vois? Mais quand même, j'ai l'honnêteté de dire, je t'emmerde, espèce de connard à pognon. Combien t'as des tournants aujourd'hui? 300 000. Bon, d'accord, 400 000. Une putain de claque dans la gueule. Oui, bon, c'est vrai, 500 000. Et à chaque fois que tu mets une tarte, et il y en a de plus en plus. Le mensonge collectif dont nous sommes tous victimes. Ça veut dire ça. C'est tout. Poète.